Angelo vous a invité à rejoindre son escouade. Et je fais gauche et clic. Hein. Un destroyer allié rejoint l'escouade. Déploiement de Helldiver. On t'a trouvé, Benzaï. Oh mon dieu, incroyable. Un ami. T'es fou? C'est quoi ce jeu de ses morts? Une grosse puissance de feu pour la liberté. Ah mais les joueurs sont éclatés. T'as pris un autocanon. Alors j'ai vu que les autocanons pouvaient détruire les nids aussi. Ouais, c'est une des armes les plus fun du jeu. On a un autre... Oh là là, mon dieu, vous avez réussi à venir! C'est fantastique, c'est inouï! Après une heure d'attente! Ils sont là! Mettre dedans. La liberté ne dort jamais. Oui, alors. Ah, merci. Grenade. Je vais activer la frappe aérienne. Objectif proche de vous. Envoyez un aigle. Liberté administrée. Peut-être pas le faire. On va compléter. Différent. La liberté est éternelle. Ouh, ah. Aujourd'hui, c'est ah ouais, mais vous avez donné des canons grosses à vos drones là, c'est pas compliqué. Tu veux un autocanon? Je veux bien un autocanon, hein. Ah mais attends, j'ai ma grosse mitrailleuse là, ça va faire.
tu veux. Ah mais la zone non. Il doit rester des nids ici. Ouais ouais, j'étais en mode objectif mais bon là j'ai fait carry salement. Let's go l'objectif. C'est comme ça, hein, je suis content de streamer. Hein. Truc qui brille là-bas. Matériel, sud-ouest. Allez. Puis on a trois nids à nettoyer là. Je trouve pas saveur comme des clés. Ah, achetez. Vous êtes level combien tous là? 38. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais là ça suffit. Au soutien d'un mec. C'est à cause de toi qu'il n'y a pas de place sur les serveurs. Demande une frappe orbitale. Attention, frappe orbitale. C'est la vie, j'ai croisé deux niveaux 50. Déjà bougé sur celui d'à côté, ok. Échantillon récupéré. Avant poste d'insecte. Accomplir la mission. Qui veut une bonne tasse de liberté? Je recharge. Oh ouais. Demande de ravitaillement.
Ah merde, c'est pas le mien. Désolé. Je t'envoie un autocanon en plus si quelqu'un veut essayer. Ok, ok. Faire mumuse. Faut que tu prennes le sac à dos avec. Qui est là-bas? J'ai trouvé un truc. Est-ce que au niveau du stream, les gens, vous avez un son correct au niveau des vocales et tout le bazar? Ah! Putain, j'ai marché sur une putain de route. Non, parce que c'est un vrai confort assez inédit hein, de streamer avec, sur le canapé avec la télé et tout. On a l'impression d'être au bureau. En même temps, comme le jeu marche à moitié, j'ai aussi l'impression de gâcher. Colis reçu. Colis envoyé. Après, Bana, si tu veux, on s'est arrêté à un objectif. Plutôt, il y a un sif, il y a un canon à charger. Oh là là. Colis envoyé. Allô. Je suis auto-tué par l'explosion d'autocanon, c'est quoi ce... Je le sais. Et il fait des dégâts explosifs, si tu tires trop près, ça va faire ça. Ah ok, d'accord, c'est pas prêt. Montrez-moi mes ennemis. Ah, c'était bien, hein. On va les chercher. Colis reçu. Colis envoyé. Il doit rester un nid ou deux. Mais effectivement les amis, si ça a l'air un petit peu facile à l'écran, c'est parce que on n'est pas en difficile et on est avec trois vétérans. Bon eux c'est une balade. Je crois que c'est bon pour le nid. Ouais, non, là c'est bon. Hein. Attends, il est dit du job. L'extraction est disponible.
Ah, putain, je la vois même pas sur ma carte. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, en moyen, tu peux facilement soloter quand tu joues bien. Et en fait, à 4. Oh, ils sont si adorables. Hein. On peut peut-être se permettre de monter de quelques degrés la difficulté. Ouais, parce que je pensais encore jouer tout seul, donc bon, c'est évidemment ça change. Ça m'intéresserait de voir du lourd de chez lourd en termes de mission. Pour l'instant, ça a été un peu la inécure. T'es monté jusqu'à quelle difficulté, tu sais? Difficile. Au-dessus de normal. Ok, ouais. Parce que ça va jusqu'à 9, et 9, c'est quelque chose. J'imagine. Extrême avec les automatiques. Je demande une extraction! J'imagine, ouais. Hélico 1, retour à la zone d'extraction. Veuillez vous assurer d'être dans le périmètre d'extraction. Allez, déployez! Je demande une arme de soutien. Oh, saloperie! Ah, c'était la tourelle, désolé. Requête approuvée, déploiement renfort. La démocratie vient d'atterrir. Ouf, c'est un grand. Lancement de la navette dans 20 secondes. Extraction terminée. Pélican 1 débute son ascension. On a réussi à jouer. La victoire était assurée. Maréchal Pétain est très fier de vous, les gars.
En plus, t'es maréchal, Queen Lambert. Ok. Bah, fais gaffe. Ouais, c'est pour ça, ouais. Lui aussi était garant des valeurs familiales. Hein. De 61 victimes contre 226 pour Philippe Risette. Ah, Philippe Risoli, mon dieu. Grand héros de la liberté. Avec son show. Peut-être que du coup on peut faire autre chose. Parce que ça y est, on a un groupe. Mon dieu. On peut partir sur du difficile parce que vous avez carry. Ouais. Bah si t'as 5 ou 6, je pense ça passe complètement. Ouais, 5, ça va le faire. Lancer un missile balistique intercontinental, trouver, truiser les œufs, ça on vient de le faire. Tuer les termitides. Ah, allez, vas-y. Faire un truc en mode... coordonnées de mission. Sa grand-mère. Elfog, prêt. Ça va bien se passer. Propulseur orbitaux engagé. Cette fois, je vais prendre une mitraillette de taille. Orbite synchronisée. On voit rien. On peut dire le drop. Alors, Ah, le canon laser, je suis déçu. C'est une vraie déception. Regardez ce. Non mais en fait je n'ai pas de drapeau, je pue la merde. Ah, c'est tellement juste. Lancement. Recording, c'est vraiment juste Kylo Ren. Jusqu'à 700. Ah, merci Metales d'avoir pris le PC chez Déclic Info. Ça soutient la chaîne et ça leur prouve qu'ils ont raison de nous faire confiance sur Benzaï Live. Et moi j'essaie de faire en sorte que ça vous fournisse du bon matos validé d'avance. C'est noir. Alors j'ai découvert un truc sur YouTube comme quoi en fait quand tu regardes sur la carte de la planète, tu vois en fait tu vois d'avance s'il va faire nuit ou pas. Quoi. Il y a un cycle jour-nuit vraiment sur la planète. Oui. Alors d'expérience, si tu te mets à la limite aussi, tu vas avoir le lever du jour par exemple. Moi c'est trop bien. Ou alors j'ai rêvé, mais je suis pas sûr d'avoir vu ça. Là, on est en mode horde, bête et méchant. Et je vois même pas les ennemis parce qu'il fait nuit. Faut que tu maintiennes le bouton de rechargement. Ah oui, c'est ça. Et je vais drop un drone en plus que je peux pas équiper. Du coup, si quelqu'un le veut, allez-y.
Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, la mitrailleuse, tu peux changer aussi le RPM pour qu'elle fasse des dégâts, mais genre juste abusé. Ou alors moins. Quelqu'un est mort. Stop. C'est fierté. Vous voyez quelque chose? C'est-à-dire que les mines sont pratiques, quoi. Et ça, c'est pas parce que t'es en train de jouer sur une télé OLED avec des noirs infinis. Ah, parce que vous, là, vous voyez bien. Moi, sur mon écran LCD, c'est à peu près OK. Attends, je vais augmenter un peu le gamma. Parce que... bon, un peu plus. C'était très contrasté. Oh, déjà! Vous pouvez évacuer. J'ai pas vu la différence avec plus difficile et pas facile. Et... ce soit... coordonnées reçues. Arrivée de Pélican 1 aux coordonnées. Pélican 1 en cours d'atterrissage. J'ai l'impression d'avoir vu aucun arachnid. Après, elles vont très très vite les défenses. Extraction terminée. Pélican 1 débute son ascension. Nouvelle victoire pour les gentils de l'histoire. Pour les gentils de l'histoire, ah oui, d'accord. En même temps, je pense pas que les arachnides aient une histoire écrite dans leur civilisation. C'est pour ça qu'elles vont à l'école. Bon, une victoire de canard, ouais, c'est totalement ça. Hein. C'est... de toute façon, ils ont le même temps qu'une pub pour laver les chiottes. Ce niveau de difficulté, mais sur de la un autre. Qui s'est passé? On a perdu quelqu'un? Belle victoire pour la démocratie. Vous voyez, là, à la limite, là, par exemple, ça se trouve ici, ça va être un peu le coucher de soleil, etc. Alors, la menace alien doit être éradiquée dans toute la galaxie. De lui, mais de lui, en fait, ça me suffit. Station d'alimentation hors ligne, ok. Mais non, mais c'est déjà plein, ok. Anéantissez les insectes. Assurons la pérennité de la super-terre. Ah, traquer et éliminer le titan, ça je n'ai jamais fait. Coordonnées de mission saisies. C'est parti, on va chasser le titan. Propulseurs orbitaux engagés. Et bien sûr. Orbite. Ça au nom de Raël. Alors j'imagine que là, face au gros. Restez à la. Oh. Mitrailleuse.
Lancement du Hellpod initié. On joue enfin au jeu, quoi. Interrompre une campagne. Ah, c'est qu'il faut faire normalement les trois missions côte à côte là pour gagner un autre truc. En fait, si tu fais les trois missions, tu gagnes progressivement plus de médailles et à la fin tu participes à la libération de la planète. Et si tu fais pas la campagne, tu participes pas. Ah, c'est donc ça le truc, faites 8 missions mes couilles. OK, je comprenais rien, je pensais que c'était des petites missions de base quoi. OK. Il faut une arme de soutien. Le drone, c'est vraiment chiqué, là. Écoute, j'ai trop de gamme, hein. Ah ouais, faut faire exploser le bâtiment gris. C'est chier. Mon dieu, ah non, on a perdu un. Réanimation. Un casseur, canon automatique. Casseur, canon. Je recharge. Rigolo. Du coup, où allons-nous, messieurs? Ah oui. Nord, ça m'a l'air bien. Marqueur sur la carte. Nord. Merci The Dog! Merci beaucoup, merci à toi! Chargeur vide! Overkill ça non? Quelqu'un qui a fait tomber son... J'ai trouvé quelque chose! Matériel! Ah. On a un nid de stalker à l'est visiblement. Matériel, marqueur sur la position. C'est ceux qui sont invincibles là? Invisibles? Ouais c'est ça.
Ah, tant que tu détruis pas le nid, il continue à venir. Ouais. Et le nid est pas affiché sur la carte, faut le trouver ou alors faut le trouver avec le radar. Il doit être par là vu qu'il venait d'ici. Je recharge. Marqueur sur la position sud-est. Pas. Visiblement. Je sais pas à quoi c'est censé ressembler. Mid insecte au nord à 50. C'est un nid un peu comme les autres. Hein. On rappelle, c'est des obus qui peuvent exploser. Le titan. Apparemment, P2 l'a eu. Bon, on a trouvé le titan. Ah, il est là-bas. Dans les yeux de fou. Frappe orbitale demandée. Tir de frappe orbitale. Oh là là. Ah ouais. Ah ouais. Haute priorité éliminée. Envoyez un aide. Je vois la sauce. Un tunnel rempli d'insectes. Oh non, vas-y. Oui d'accord, regardez pas derrière moi. Requête approuvée. Ça va démocratiser. Je demande une réanimation. Ça se passe très mal. Pardon. Je demande une arme de soutien. Ah mais il y a un titan. Nouveau chargeur. De l'objectif, c'est juste un titan qui était là. Ah oui, puis il y a des samples aussi. Ok, il y en a un qui est mort. Okay. Donc c'est hyper loin. Je note le lieu, ouest. Cet échantillon sera précieux pour gagner la guerre. Je vais où je vais.
fais-le, ce qu'il a l'air d'être énervé. Professionnel. Balancez de grenade. Marcher vers marqueur sur la carte sud-ouest. L'objectif à l'ouest. Suivez-moi. Je marque la position. C'était un bébé dans son landau là. Échantillon rare récupéré. Il y avait un petit parc. Oh, la map est gigantesque, hein, ça change. Ça c'est cool, c'est ça qu'on veut. Je marque la position. Annulez-moi ça. Je crois que c'est lui, hein. J'apprends. C'est probable. Rayon de l'aube, bah, systématiquement, c'est du tout. Ça va être compliqué là. Alors on peut peut-être tenter la stratégie de lui atterrir dessus pour le tuer d'un coup. J'ai vu ça sur une vidéo YouTube. Bon, c'est pas du tout au bon endroit. Ah, j'aurais dû te coller dessus. Cherche pas la mêlée. Il demande une frappe orbitale. La liberté a triomphé. La frappe orbitale est un peu loin. La navette d'extraction attend aux ordres. Une meilleure puissance de feu. Chargeur vide.
Oups. Coach. Il nous reste quelques nids sur les complétionnistes, sinon on peut partir. Je demande une arme de soutien. Allez, celui-là là. Marqueur sur la carte, nord-ouest. Je suis motivé, hein, pas de problème. Je crois que c'est la bagarre. Nord-ouest. Mais et je vous ai tous vu là avec les le bouclier alors qu'en fait tu le débloques hyper tard, j'ai l'impression. Ah, une fois que t'as atteint le niveau 20, en général t'as à peu près tout débloqué. Et loin. Un peu après. Une douleur de jeu déjà. Ah oui d'accord, c'est si grand que ça. Pourquoi ça m'a défoncé moi? Bien goûter à la démocratie. Chargeur vide. Thank you.
C'est à nous, j'ai des tout. Ah, tu sens que ce genre de map c'est prévu pour les véhicules qui vont venir après. Ah ouais. Et j'ai vu qu'il y a une troisième faction qui est prévue plus ou moins. Qui va être les orcs littéralement. Ou alors des espèces l'or, de Deldar en mode Protoss. Alors, il avait vraiment des Zeldar comme ça, ouais. Ils sont probablement arrivés. Ah, dans le 1, il y avait des Zeldar, ok. Plus de munitions. Matériel. Sec. Plein de véhicules qui sont dans le 1, j'espère arriveront dans cette opus là. Ah ouais, d'accord, putain. Ouais, je regarde un peu de gameplay du premier parce que j'ai vu que c'était en twin stick. C'était sur Vita, donc bon, j'en avais rien à faire quand c'est sorti. Mais si ça peut permettre de comprendre ce qui va arriver derrière, c'est cool quoi. Parce qu'effectivement, les véhicules ça risque de changer énormément de choses. Avant-poste d'insectes repéré, préparez-vous à les exterminer. Ouais, le 1, t'avais vraiment des dreadnoughts. Des mechas et des véhicules à faire à plusieurs, des tanks, des tout ça. C'était très complet. Allez, mange! Mange ça! Ouais, faites gaffe avec la tour, elle a plus de portée que ce que je pensais. Chargeur vide. C'est mon dernier chargeur. Le manuel en mode autocanon aussi, putain. Il y a trop de trucs là, ça va pas. Je sais pas s'il y a du ravitaillement, mais ça va faire. Plus de munitions. J'ai rien de rien. Donc ça repart peur. Possible.
est bon là niveau saloperie. Hein. On n'a plus qu'à partir. Chargeur vide. 30 secondes avant ravitaillement, je n'ai aucune munition, de rien du tout. Il doit aussi d'avoir des boîtes sur les scripts normalement. Je marque la position possible. Je demande une arme de soutien. Déploiement d'armes de soutien. Rapport vital imminent. Tunnel rempli d'insectes. Les insectes repérés. Préparez-vous à les exterminer. Panique. Demande de ravitaillement. Coordonnées reçues. Ici Pélican 1, de retour dans le périmètre d'extraction. Mange ça ! Une blessure ! Quelle blessure ! D'un petit nid. Oh, d'accord. Ah, ça arrive derrière Philippe et Chebes. Déploiement de charge non létale. Demande de soutien aérien. Dans 1 minute et 30 secondes. Je demande une frappe orbitale. Là, ça va faire mal. Frappe orbitale imminente. PV1, retour au destroyer pour ravitaillement. Extraction terminée. Pélican 1 débute son ascension. GG. C'est le GG. La victoire était assurée. Et là, on est encore large, quoi. Je pense qu'on peut monter la difficulté, non? Si t'as les suivantes, ouais. Je crois. On va regarder. Éviter de faire le con et de sortir de la mission que j'avais pas compris comment ça fonctionnait. Ah puis là c'était la masse. Tu mets 5 étoiles.
Ah, ça y est, je suis devenu Maréchal Ferrand, officier de l'espace. Le plus de coups, magnifique. Ça sert à rien. On est reset, 410 victimes, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, ça suffit. Le mec est fou. Une mission à garder dans les annales où tout est con. Alors, attendez, obligation de guerre, ça y est, on est à page 3. Je dépense beaucoup de médailles. Et donc, débloquer la mitraillette défenseuse. Des super crédits. Savoir si j'ai la super boutique. Ah mais elle avait l'air bien cette armure de la Légion. Augmente la distance de lancer et la santé des membres de 50%. Et celle-ci elle fait quoi? Kit d'ingénieur, réduit le recul 30%. Augmente de 2 le nombre de grenades de départ et la quantité maximale de grenades que vous pouvez emporter. Oh wow wow wow, ça c'est abusé. Maître des drones. Ah oui, c'est qu'il y en a une, c'est une armure légère, et l'autre avec plus de santé. 30%. L'autre, elle donne plus de grenades. Quoi. Deux grenades de plus. Que faire? Non, je peux pas acheter l'autre. Pas d'armure légère, là. Ah putain, mais on dirait masque! Ah ouais, trop bien! Ah, j'ai que comprendre que la méta c'était armure légère, ouais. Et du coup, il y en a deux autres missions à faire, ok. Coordonnées de mission saisies. Elfog prêt. Voilà, là, le personnage. Donc là, c'est nique ta mère. Un rocher. Orbite synchronisée. C'est vraiment bête et méchant, c'est le truc. Je vais rester sur le fusil. Des grosses grenades. Helldivers 1 qui a genre 10 ou 15 DLC, je sais pas de bêtises, car je joue des stratagèmes après, etc., etc. Alors après, est-ce que le jeu va être en mode service avec des services payants ou est-ce qu'il va être en mode service comme Overwatch en mode genre tant que t'as payé, t'as juste des skins après. Bon là ils ont déjà des micro-transactions, donc je pense pas qu'ils ont besoin de vendre des gros season pass sales. No full free to play, calmez-vous, le jeu coûte 40 balles. Ils ont déjà vendu des millions. Là ils peuvent nous brosser dans le sens du poil pendant 6 ans. Bon, je pense qu'on aura des petits battle pass à 10 balles. Avec des stratagèmes et quelques armes. Au combat, ah, ne voilà, craignez là. Ni la mort, ni la tyrannie, dans mon élément. Car la justice est votre bouclier. Arme de soutien en approche. Putain, c'est l'échec d'avoir mis ma tourelle au milieu. Qui veut une tasse de
Réanimation. Chargeur vide. Nouveau chargeur. Aïeux. C'est mollo le pilonnage. Vous êtes inferno avec les morciers. Tunnel rempli d'insectes. Ça va démocratiser. J'essaie de comprendre tout ce qui se passe. Pilonnage sur pilonnage. C'est beaucoup plus facile qu'avec les automatons, hein. Ça survit, quoi. Abusé. Approche de la zone par Pélican. Pélican 1, en cours d'atterrissage. Bien vu quand on essayait d'en tuer 100 à nous tout seul là. Victoire triomphale, ouais, c'est anecdotique, surtout que j'imagine que Reset a encore tué tout le monde avant que je les voie. Mais les gens qui galèrent à se connecter dans le chat, si vous êtes sur PC, il faut vraiment juste rejoindre un ami qui est déjà sur le jeu sur Steam et c'est instant. Là, je sais que j'ai servi à rien. J'ai tué 20 mecs. Vas-y, attends, j'ai tué 53. Recording Club 51. Ah, il parle pas beaucoup, mais alors, bon sang. Bienvenue, Helldiver. Enchaîné pour finir la campagne. Coordonnées de mission saisies. Escog prêt. Propulseur orbitaux en jeu. Là j'aime bien la skin qu'on a dans. Oula, alors. Orbite synchronisée. Objectif tactique, détruire la station de recherche illégale. Bah, je serais d'avis moi de dropper là-bas. Alors, jamais du tout. Jamais. Alors The Pumpkin, normalement si la recherche rapide marche, tu peux jouer en rejoignant des gens au pif et peut-être te faire des amis pour la vie. Après voilà. J'ai vu des vidéos où les mecs montent la meilleure truc solo, mais putain, si t'as 50 heures solo sur Helldivers 2, c'est vraiment triste quoi.
aurait vraiment l'impression que les gens ils s'éclatent en jouant à Overwatch seul contre 5 bots en boucle, ils ont 300 heures de jeu, enfin, c'est un peu la tristesse. Quoi. Oh mon dieu, il y a déjà des gens. Bonjour. Ah merde, il a cassé le truc le machin. Voilà, nique ta mère. Monster Hunter. Saloperie de merde. Je laisse sieste dans le désert. Hein. Ah mais attends, ça c'est la mission des canons. Hein. Échantillon 1 récupéré. Tu veux un Raygun pour essayer? Bah là je viens de dropper la truc mais je crois que c'est le truc là qui se charge là. Ouais c'est ça. Merci. Attends, comment on active là l'espèce de truc qu'on vient de charger là? Je crois que c'est fait déjà. Non. Terminal là. Il manque pas un missile? Alors bon. Colis envoyé. On a déjà tout chargé. Ennemi lourd, ouest, proche. Je retarde. Ah non, il a shooté mon truc. Je vais récupérer ma mitrailleuse. La démocratie vient d'atterrir. C'est ridicule ce qu'il a fait. Allez, déployez. Je recharge. Envoyez un mec. Avant poste d'insecte repéré. Préparez-vous à les exterminer. Aïe aïe aïe. Dernier chargeur, après moi, matériel.
poste. Je note le lieu. Sud. On voit que dalle. On va passer le du sud plutôt, hein. Ouais. Ouais, parce que l'autre il est plus proche de l'extraction. Les Helldivers ne meurent jamais. J'espère que vous avez entendu dans le chat. C'est pour ça qu'on meurt 6 fois par game. Putain! Ah, je déteste quand tu les décapites et qu'ils avancent encore pour te défoncer. Ouais, du coup, je sais pas si vous avez vu dans le chat, mais à une époque, les mecs de 343 qui font. Qui ont repris Halo derrière Bungie. En fait, ils auraient pitché à Microsoft plusieurs fois un jeu qui était littéralement Helldivers, quoi. D'ailleurs, le mode Horde de Halo ODST était vachement développé déjà. Et en fait, ils voulaient faire ODST version Helldivers à la base. Voilà. Ça inclurait le fait que c'est aussi bien qu'Helldivers, ce qui n'est pas du tout le cas. Ce qui n'est rien du tout, parce que Helldivers, le concept est assez bête et méchant, hein. C'est juste que ça fonctionne bien parce que c'est un jeu. Et c'est intéressant de voir que Microsoft n'a pas voulu prendre le risque de faire un Horde Shooter Service en coop. Putain, les trucs me meurent. Oh, je déteste quand il en porte. Oh. Oh, le chargeur m'a dit. Ça va démocratiser. Objectif proche de vous. Je demande une arme de soutien. Demande de soutien aérien. Fuck! Laisse marcher dans une trappe là. Manuel là. Nouveau chargeur. Ah non, mais en fait c'est ça qui est terrible, c'est que en fait Microsoft, ça fait longtemps qu'ils auraient pu faire un Helldivers en mode Horde sur Gears of War ou sur Halo de façon très addictive et très cool. Au lieu de ça, Halo Infinite, il est vivant mais en même temps on dirait qu'il est mort, quoi. Putain, désolé.
Oh là là. Réanimation. Là c'est bon, on a détruit les autres cellules. Ouais. Oh, non, et comme quelqu'un disait, genre là, bientôt, et vu comment c'est facile d'obtenir la licence Warhammer, ils vont faire un Helldivers Warhammer qui sera aussi sur Xbox, comme ça tout le monde pourra participer. Et si c'est plutôt bien fait, ce sera gagné. Quoi. Et le jeu va faire des émules 100%. Apparemment, là, pour aligner les satellites, t'as juste besoin d'écouter le son que ça fait. Ah, faut attendre que tu sois en haut pour la tourner. Tu la décales un peu vers la droite. Encore un peu. Voilà. Donc ouais, comme je disais, apparemment il y a une audio cue assez subtile, mais que quand t'as l'habitude tu peux le faire tout seul en fait. J'ai 80 heures de jeu et j'avais failli. Ouais, j'ai vu un truc genre 50 choses que vous ne savez pas sur Helldivers. Il y a plein de trucs, ça sert juste à rien, genre les machins qui s'ouvrent quand tu salues, tu peux vraiment faire l'emote de salut, ça s'ouvre aussi. C'est pas juste contextuel. La sec. Oh, je déteste avoir le soleil dans les yeux, c'est abusé. Ah mince. Requête approuvée. Renfort envoyé. Merde, je voulais défoncer. On a besoin de moi sur le front. Échantillon rare récupéré. Thank you.
C'est pareil, j'ai vu un truc comme quoi, vu que le Steam Pack il te recharge, il te donne de la vie pendant un certain temps, tu peux t'en servir, tu peux faire Steam Pack et après sauter dans le vide et te prendre une chute monumentale et la tanker parce que t'es en train de gagner de la vie. Ah ouais? Arme de soutien. Canon aux électriques. Oh, ça a pas l'air fou. Marque la position. Pour faire des TK, j'en fous. Allez au point d'extraction. Papy, pour la super terre. C'est pour tuer les alliés surtout. Il y a munitions infinies, c'est peut-être ça l'astuce. On est le robot, je crois qu'elle va être abusément. Ouais, c'est comme ça qu'on fait des games à 600 kills après. En trichant donc. Moyennement de la triche. Contre des groupes d'ennemis. Ah oui, d'accord, parce que ça fait un arc électrique entre les trucs. Ouais, Queen il part. Mais il restera bien nettoyé au nord. Frappe orbitale demandée. Envoyez un aigle. Il y a un titan d'ailleurs. Je vois la tour au nord. Rapport vital imminent. Totalement dangereux. Oh, il s'est fait défoncer. Liberté. Nouveau
c'était quoi ça? C'est le canon qu'on a ramené tout à l'heure. Ah ouais. Demande de soutien aérien. Attaque en cours. Il me faut une meilleure puissance de feu. Déploiement d'armes de soutien. Regardez, je peux faire. Hop. Et là. Et j'ai pas perdu de vie. Là, si je fais ça, nature, voilà, je perds la moitié de ma vie. Genre t'as l'impression que tu peux switcher, t'as vu quasiment la fin de l'animation de chargeur et tu switch d'arme. Bah en fait non, t'es pas rechargé. T'as mis le truc. Arrivé dans 1:30. Merde. Essayer de ramasser le nage aérien. Oh, mais c'est quoi cette terre brûlée là? Voilà, il a un côté, le fusil électromagnétique, il est aussi instable. Il a un mode overdrive, je sais pas du tout au commencement. Non, je n'ai pas dedans! Quel con! La victoire était assurée. J'ai un malus ou j'étais assez près quand même? On n'aura pas les samples que t'avais sur. Enfin, les échantillons que t'avais sur toi. Et on a un tout petit malus d'XP, mais c'est pas grand chose. Ok, je voulais tester le Raygun. J'étais en train de tester le rayon. Ah putain, chercher l'intrus.
Victoire quasi totale. Ah oui, c'est ça, 4, 6 et 8. D'accord, ok. Putain, c'est comme ça que tu portes les... Alors là, normalement, on avance la libération, mais ça a l'air buggé. Ouais, ça fait 0%, je suis super génial. Ça sert à rien. Je suis même pas là. Ah bah oui, je suis pas rentré. J'étais à droite. Je vous attends à droite, ouais. Super. On a fait 169 victimes. Ouais, 271 victimes. Vas-y. Mais c'est le drone qui fait tout ça. Hein. Ah, bien joué. Moi qui ai le plus tiré, mais c'est pas très efficace, visiblement. Oh, nouvelle, ça y est, bon, j'ai débloqué la difficulté extrême. Non, on peut aller. C'est quoi ça le? Les Helldivers qui sortent du Hellpod possèdent le nombre maximum de munitions, de grenades et de... Ah bah oui. J'aime bien ma skin, là, y'a pas de... Et j'ai 14 000 machins. Alors qu'est-ce qu'il y a d'incroyable à récupérer là en... Oh, t'es joué. Oh, t'as gemme. Mission incendiaire. Mines incendiaires, je veux dire. Mine antipersonnelle. Sac de ravitaillement. Un sentinelle mortier, ça a l'air vraiment pas mal. Il y a le vigoureux. Sans recul. Conseillons de prévenir vos alliés. Le truc c'est... Terre brûlée. Ah ça y est le jetpack, ça y est oui. Le jetpack, on peut recharger pendant qu'on se jetpack, on peut passer par-dessus les chargeurs, oh mon dieu, voilà. Une pleure est avancée. On a le jetpack. Bon, j'ai débloqué la difficulté extrême, donc on va partir dans l'extrême. On va tester. Ouais, il y a de la défense. Extrême, repousser la flotte d'invasion automaton. Opération accomplie. Alors votre le truc de protéger les chercheurs, je trouve ça affreux. Lancement. On va réduire un nombre d'automatons en extrême. C'est parfait. Chacune. Le gardien des valeurs familiales a besoin de changer d'orbite. Saut SL réussi. Et effectivement, c'est hyper addictif. J'ai jamais envie de lâcher le jeu. Mais bon, je vous rappelle qu'on a mis presque 2 heures à jouer. Hein. Là, ça va être. Au bordel. Et là, cette fois, je vais prendre la lunette. Lancement du Hellpod. Allez, c'est la dernière, les gars. Après, on va faire dodo. Il est presque 4h du matin.
Ah c'est vraiment le jeu de la nuit blanche. Hein. Ah oui c'est clair, c'est la petite DR. Je voyais un mec qui disait voilà j'ai 50 heures de jeu mais je sais que demain il rajoute une arme, je vais rejouer 10 heures rien que pour tester l'arme dans tous les scénarios possibles et me marier avec mes potes et nanani nanana. Ne craignez ni le jetpack tout de suite. Mais quand ça marche, au-delà du... Alors, le côté social, tu peux rejoindre tes potes qui sont en train de se battre sur une planète fantôme et tout, c'est incroyable. Ça, c'est trop bien, ouais, ça, c'est trop bien. Là. J'ai volé le bouclier de quelqu'un. Alors, perso, j'ai reparlé à des gens de cette team avec qui j'ai pas parlé depuis plus de 13 ans, grâce à ce jeu. Oh la tourelle! Oh, je savais pas que ça existait, c'est trop bien! Ah, le barrage de 380 mm il est large quand même. Hein. Merde, ça y est, putain. Ah, d'accord, il y a plus de munitions là. Aïe putain! Oh, il m'a mouché! Ah putain, je me fais bolosser! Attends, c'est quoi le bouton pour le jetpack? Balance une grenade! Bah, sur PC, c'est espace, du coup, j'ai aucune idée sur. Ah, ouais, d'accord, faut rester appuyé sur X. Oh putain, y'a un temps, c'est chier. Frappe orbitale imminente. Le jetpack qui se vide assez rapidement. La liberté est un grand. Rendez-vous au point d'extraction. Ah mais la frappe orbitale a cassé la falaise. Coordonnées reçues. Elle a cassé quoi? La falaise, je suis tombé. Ah merde. La liberté. Ici Pélican 1, préparation à l'atterrissage. Arrête de d'avancer, de reculer. Ah là. Ça allait vite, hein, forcément. Pas le con dans le pélican. Alors, le squad du. Pélican 1 débute son ascension. Nouvelle victoire pour les gentils de l'histoire. Ouais, ça c'est vraiment récréatif, hein, ce genre de mission. C'est pas la vraie expérience, Helldiver. Hein. Y'a pas d'objectif, y'a pas de truc secondaire, ça va en deux secondes. Mais bon, si c'est pour des petites games, très bien. Tester une arme.